Salut à tous, c'est Baïsanka, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un nouveau mode sur PC, un nouveau véhicule qu'un modeur a modifié. Et franchement il est vraiment stylé. Donc si je suis habillé en flic et si je suis devant le commissariat c'est pas pour rien ce nouveau véhicule. C'est un véhicule de flic et il est juste ici, une Zantorno version flic qui est vraiment magnifique, regardez. Donc on a des autocollants sur les portières, sur le capot, on a des petites LED au niveau du pare-brise qui est juste ici là, bleu et rouge. Et on a le gyrophare posé sur le toit. Franchement, il l'a vraiment bien fait. Donc c'est parti, on va monter dedans. Regardez, j'allume les sirènes. Le bruit fonctionne. Franchement, le véhicule est vraiment, vraiment stylé. Donc on va aller faire un petit tour. Donc ensuite, imaginez si Rockstar se décide un jour de faire le DLC Flic et Voleur. On en a déjà entendu pas mal parler sur les réseaux. Ça serait vraiment intéressant qu'ils mettent ce genre de véhicule, des super sportives en mode flic avec les gyrophares, les sirènes, un bon moteur qui est bien puissant pour pouvoir rivaliser avec les véhicules qu'on a déjà sur GTA V ou qui pourraient arriver par la suite dans de prochains DLC. Donc n'hésitez pas à mettre une petite note à ce véhicule. Moi en tout cas je lui mettrai 10 sur 10. Donc des fois je sais que je vous propose des modes qui ne vous plaisent pas vraiment. Je vois dans les commentaires des gens qui disent c'est moche, ça sert à rien, c'est mal fait. Mais franchement, imaginez que c'est des modeurs qui font ça. C'est pas des gens de chez Rockstar, hein. Et franchement, je trouve que c'est quand même un gros travail de modifier un véhicule comme ça et de le mettre dans le jeu. Surtout comme celui-ci, en mettant les gyrophares, la sirène, et qu'il soit aussi bien fait. Donc, ça demande quand même beaucoup de travail. Et pour ça, je trouve que ça doit être montré. Et justement, ça doit être apprécié un minimum pour l'effort qui a été fait donc pour créer le mode. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ce véhicule vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça me fera vraiment plaisir. Moi, je vais vous laisser sur ces images. On se trouvera sûrement sur une vidéo donc avec le mode police avec ce véhicule. Je vais essayer de l'installer et voir un peu ce que ça donne. Moi, je vais vous laisser sur ces images. Je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde.